Salut tout le monde, c'est moi Kimberly. Aujourd'hui je vais faire une vidéo en français car il y a presque 2 ans que j'ai parlé français. Donc aujourd'hui, pour que je puisse pratiquer mon grammaire, je vais faire une vidéo en français où je fasse mon maquillage. Oui, donc si tu es francophone, tu peux me corriger dans les commentaires. Je ne vais pas utiliser une translateur. Ça, ce n'est pas correct. Je ne vais pas traduire les mots que j'ai oubliés. Je vais juste essayer de décrire ce que je veux dire. Ça, c'est tout. Et on va commencer. Premièrement, je veux nettoyer. Ce n'est pas le correct mot. Mais je vais utiliser une... toner. Comment dit-on toner en français? Je ne suis pas sûre. Mais je vais utiliser celui de Etude House. Ça s'appelle le Wonder Pore Freshener. Aussi, je vais regarder comme ça à mon gauche, mais ton droit, parce que mon miroir est ici. Et pendant que ça sèche, je vais vous montrer le produit prochain. Donc ça vient... celui vient de Nature Republic. Parce que j'ai le pore séché, j'ai besoin d'utiliser une moisturizer. pour que mon maquillage ne regarde pas mauvaise. Il n'y a pas une réaction chimique mauvaise quand je l'utilise avec les autres produits. Pendant que ça sèche encore, je vais montrer le prochain produit. Donc celui vient de Milk Makeup et il y a du français sur le produit, donc je peux tricher. C'est le base adhérente Hydro. Et c'est le couleur vert. Je vais mettre un petit peu plus parce que j'ai un gros visage. Oh! Il y a du français. Celui vient de CoverGirl. C'est le Cash Serum. Est-ce que ça fait ce que vous dites en français en France? J'utilise 2 couleurs. Ce couleur est plus foncé que celui-là. J'utilise cette couleur qui est en caramel en dessous de mes yeux ici, mon nez, mon menton. Je ne sais pas pourquoi je peux pas dire cette mot, mais mon menton, celui-là, et mon front. Puis le couleur plus foncé qui est dans le couleur doré profond, j'utilise sur le reste de mon visage. Je vais les mettre au même temps. Et je fais une W au milieu de mon front. Puis cette couleur, je mets ici sur mes joues. Parce que je n'aime pas utiliser le fond de teint. J'aime beaucoup que les produits de maquillage à de français. Puis je vais utiliser une éponge. J'utilise le côté qui a un point en dessous de mes yeux. Et j'utilise le bas pour le reste de mon visage. Donc je vais commencer avec le reste de mon visage parce que je veux que le cache cerne au-dessus de mes yeux a du temps de devenir plus concentré. Je sais que ça, ce n'est pas le mot que je cherche. Mes bras sont fatigués. Puis je vais prendre le couleur caramel encore et je vais les mettre sur mes yeux. Comment dit-on? Eyelid. Je le sais. Mes paupières! Mais je vais l'utiliser sur mes paupières comme base pour mon eyeshadow. Puis je vais prendre une poudre de Black Radiance et c'est aux couleurs Honeymoon. Je ne sais pas comment dire ça en français. Je vais prendre un petit peu de poudre, donc je vais le mettre en dessous de mes yeux comme ça, sur mon nez, sur mon menton, sur mon front. Les lignes forment quand je ne mets pas de poudre. Puis je vais prendre une brosse, peut-être
Je pense que ça fait une brosse et je vais juste faire ça. Maintenant, je regarde comme je n'ai pas de dimension sur mon visage. Donc, je vais prendre un autre produit de Black Radiance. Ça, c'est le contour palette en foncé. Je vais prendre le Sculpting. Je vais utiliser ici et sur mon front. J'ai fait des cercles. On va revenir à mon visage après que je fais le eyeshadow. Mes lèvres sont séchées, donc je vais utiliser ce produit du Glossier. C'est le baume universel à la coco. C'est rose. J'aime le... J'aime le odeur de ce produit. Donc j'utilise sur mes lèvres. C'est un petit peu cher pour... Il y a combien de produits? Pour 15 millilitres. Ok, maintenant, à mes yeux. Je veux faire un maquillage très vibrant. Pour mes paupières, je veux deux couleurs différentes. Donc, j'ai le palette de Stacy Marie qui vient de Be Perfect Cosmetics. C'est très cool. Il y a beaucoup de couleurs. Si tu as besoin d'une palette qui a les couleurs de arc-en-ciel, je recommande celui-ci. Je ne peux pas choisir les couleurs. Donc, je vais utiliser une application pour choisir deux couleurs différentes. Et on va utiliser, je vais, pas on, moi, je vais utiliser les deux couleurs. Et je vais faire le maquillage comme leur nom sur Instagram est slush.juice. Je vais le mettre ici sur l'écran. Color randomizer. Donc, la première couleur est vert. Vert et violet. Rose. Magenta. Je vais utiliser ce Cash Cell camouflant de Maybelline New York. C'est dans la couleur moyen foncé. Je vais utiliser une brosse et puis je ne vais pas utiliser beaucoup parce que tu peux regarder, c'est comme peut-être quatre couleurs plus brillantes que le couleur, mon couleur naturelle. Donc la couleur qu'il m'a montré était comme la couleur Forest, mais je ne suis pas sûre si je veux utiliser Forest. Donc je vais utiliser Tropics parce que c'est une couleur verte. Ce n'est pas la même couleur qu'il m'a montré sur mon écran. Mais Tropics est plus vibrant. C'est pas comme ça. Oh. Wow. Wow. Si je veux faire le maquillage comme Slush Juice, quand elle fait son maquillage, elle le rend presque aux sourcils. Je crois que ça fait mes sourcils. Donc je vais le mettre comme un petit peu plus bas parce que je ne veux pas que ça va trop haut. Donc j'ai besoin de choisir une couleur violet qui je ne sais pas comment on dit match. Comment disons match en français? Je ne suis pas sûre. Peut-être je vais prendre la couleur Fruity. Je pense que c'est assez foncé pour la couleur Tropics, celui-là. Je vais le prendre sur le brosse, sur le même brosse. Yep. Je ne sais pas comment on dit ce mot. Donc, je vais prendre Key Lime pour le vert. Et puis pour le violet, je vais prendre cette couleur là. Et je vais mettre autour de couleur. Je vais faire quelque chose. Puis, je vais prendre cette brosse. Et je veux mettre de
sparkle? Comment dit-on sparkle en français? Je suis très fatiguée parce que je ne sais pas comment parler en français. Je vais prendre le couleur pour le vert, couleur Tahiti Green. Cette couleur ici, et je vais mettre au milieu de mon paupière. Et puis pour le couleur violet, je pense que je vais prendre la couleur Pearl, celui-là. Ouh. Ça, c'est un petit peu plus facile de mettre sur mes yeux. Ouh, ça c'est très joli. Les deux différentes couleurs sur les deux paupières. Magnifique. Et je vais mettre les trois couleurs pour que ça regarde plus bon. Donc, puis je vais prendre le couleur Key Lime. Peut-être j'ai besoin d'utiliser mon mon doigt. Je vais mettre le couleur violet. Puis je vais utiliser Lilac. Dans mes yeux. Puis au milieu, je vais mettre le couleur Pearl. Oui, Pearl est plus facile d'utiliser avec une brosse. Est-ce que je veux mettre des faux cils? Si je mets des faux cils, je vais retourner avec les faux cils parce que je ne peux pas faire cette technique avec en caméra. Premièrement, je vais mettre je vais utiliser un crayon des yeux aux couleurs noires qui vient du compagnie Elf. Ce n'est pas très cher, ça coûte comme au dollar américain, je crois que c'est comme 2 dollars. Donc je vais faire un triangle pour la forme de mes yeux. Je n'aime pas faire une ligne avec le crayon qui va très haut parce que je pense que ça rend mes yeux moche. Je vais essayer d'utiliser les fossiles. Celui vient du point Emeda. 2 secondes. Ce n'est pas les fossiles parce que j'ai besoin de pratiquer. Donc je vais prendre le mascara de CoverGirl. C'est le mascara Crump Crusher. Oh, j'ai aussi fait mes sourcils. J'ai utilisé une pommade de Elf. Je vais vous montrer. Et j'ai aussi mettre une slit dans mon sourcil parce que ça regarde comme ça. Donc, on est presque fini. On est là. Je vais mettre du highlight couleur là. Juste pour ajouter un petit peu de couleur encore. Ça regarde très. J'utilise cette palette de Mimi Box, couleur Orange Bloom. Et je vais prendre cette couleur là et je vais mettre là. Sur mes joues, je vais utiliser cette blush à rien de Glossier aux couleurs Dawn. Pour ce produit de Glossier, un petit peu et beaucoup. Donc je vais utiliser. J'utilise mon doigt pour que je ne enlève pas le bas que j'ai mis au début. Ça ne regarde pas comme ça. Oh. Ah! Oh non. En vie réelle, ça ne regarde pas comme sur le caméra. Je vais retourner à cet produit là. Je vais utiliser la couleur de highlight et je vais mettre sur mon nez comme ça. Et sur mon cupid's bow, je ne sais pas comment on dit ça en français donc. Et l'étape finale, je vais utiliser encore le produit du Glossier. Je vais utiliser cette gloss à lèvres. Regarde, un petit peu rose, mais c'est transparent. Donc, on est fini avec mes vidéos. J'espère que je n'étais pas très ennuyeux pour les francophones qui regarde cette vidéo. Si il y a des francophones qui regardent cette vidéo, je vais essayer de faire plus de vidéos en français, peut-être en coréen et les autres langues que je suis en train d'étudier. Mais oui, ça c'est le look final. Je suis très contente. Ça c'est comme mon personnalité
autoristique. Si tu as des autres vidéos que je peux faire en français, laissez-les là dans les commentaires et je vais les regarder. Si tu veux abonner à cette chaîne, j'aimerais beaucoup. Et j'espère que tout le monde ait une bonne santé et je vais te voir au futur. Au revoir tout le monde!